Good morning, allez, idem, et si je rejoins le chat, très esther, bâtiment, ma ce que dire, faut à Tolivier, il sera le chemin de Ben Chay Esther, comme chat, mais un bateau de Dana, et bien, Ben Chaliba. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles, nous étudions ma sécrète et rouvine. Perek Aleph Mishnah, hey, Aïta, shel kash, o shel kanim, roin, ota, keilui, shel matechet, akuma, roin, ota, keilui, pshuta, agula, roin, ota, keilui, merubat, kol shesh, bekefo, shlashat fachim, Yesh bo rochav tefach. On continue dans notre Mishnah à préciser l'allure que doit avoir la poutre qui nous ferme le quatrième côté du Mavoï de l'allée. On rappelle d'abord très rapidement, maintenant j'espère que vous commencez à vous familiariser un petit peu avec les notions de Hérouvine, à savoir, on a la rue principale qui est la voie publique. De la voie publique sortent des petites allées qui mènent vers les maisons particulières. Il y a la petite allée, et puis ensuite, qui donne elle-même à différentes cours qui sont partagées en copropriété. C'était l'allure des rues de l'époque. Maintenant, cette allée, si vous faites attention, elle a trois murs. D'accord? C'est une impasse. Elle a trois murs. En théorie, c'est défini comme un reshut hayachid, comme un domaine privé. Seulement, ils ont dit, on ne peut pas porter, malgré tout, dans ce domaine privé, parce que les gens, ils vont facilement passer sur la voie publique, même, d'accord? C'est un peu plus compliqué, mais en tout cas, il y a au moins ce problème-là qui vont passer sur la voie publique. Du coup, ils ont dit, tu sais quoi? On veut que le quatrième côté, si tu veux porter ici, tu dois pouvoir permettre, pour pouvoir permettre cette allée, cette impasse, il faut que tu fasses deux choses, que tu vas faire une pseudo-fermeture sur le quatrième côté qui donne sur la voie publique, et à part ça, mettre un pain en copropriété, on expliquera ça plus tard dans la sécrète. D'accord? Maintenant, cette fermeture, là pour le moment, dans notre chapitre, on s'intéresse à cette fermeture, comment la faire. Est-ce qu'il faut... Alors, on a la possibilité de lui mettre soit une poutre, soit lui mettre un tasseau sur le côté. Maintenant, pour la poutre, alors on a les Mishnah, maintenant ça veut dire deux Mishnayot, qui nous précisent que l'allure que doit avoir cette poutre, qu'elle doit en théorie être un semblant de début de mur qu'on va construire en lui mettant des briques dessus. D'accord? C'est un semblant, c'est un peu, c'est symbolique. Du coup, on a découvert dans la Mishnah précédente une machloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim, à savoir, est-ce que concrètement, il faut que la poutre que tu vas mettre elle soit apte à supporter la brique, ou bien non, même si elle n'est pas apte. Et c'est sur ça que notre Mishnah va commencer. Donc il faut une poutre d'une largeur d'un téfar, ça tout le monde est d'accord, mais est-ce que concrètement, hein, elle doit supporter la brique? Et la Mishnah m'enseigne comme ça, elle commence comme ça la Mishnah. Aïta shel kash o shel kanim. Si cette poutre, elle était en paille ou en roseau, ro'in ota keilu ishel matechet. Eh bien, on la verra comme si qu'elle était en réalité en fer, en métal. Soit, le Barthénois nous dit, c'est Rabbi Yehuda qui enseigne cette Mishnah. Rabbi Yehuda qui nous dit que c'est pas la peine que la poutre supporte concrètement. Ça suffit que ce soit symbolique. D'accord? De ce fait, tu peux même prendre, si tu veux, une poutre en paille, que dès que tu vas lui mettre même une petite pierre dessus, elle va complètement tomber et s'affaisser. Malgré tout, ça suffit pour délimiter le quatrième côté, pour le définir comme un début de mur. D'accord? Ça va d'après Rabbi Yehuda. Faites attention maintenant, je vous préviens, on va découvrir d'autres cas dans notre Mishnah. D'autres cas dans notre Mishnah un petit peu originaux. Il y aura une discussion sur ça, est-ce que ça va que d'après Rabbi Yehuda ou même d'après Ramim. Je commence à traduire le cas. Le premier cas d'abord, Akuma, si elle était maintenant, comment dire, bombée, tordue, elle n'était pas droite. Vous savez, si vous voulez construire un mur, il vaut mieux avoir des poutres droites. Parce que si vous avez une poutre en arc, eh ben, vous n'allez pas pouvoir mettre des briques dessus, ça va tomber. Qu'elle soit dans un sens ou dans l'autre, peu importe, ça va plus supporter la brique. Alors la Mishnah me dit comme ça, Akuma, si elle était tordue, Akum, tordue, donc arquée, Roin ota keilu ish pshuta, eh bien on va la considérer comme si qu'elle était en réalité plate. Et mieux que ça encore, Agula, si elle était ronde, c'était une poutre, certes, elle était même bien large, mais elle était ronde. Donc on ne peut pas mettre de brique dessus. Eh bien, Roin ota keilu imerubat. On la verra, on la considérera comme si qu'elle était carrée. À savoir, en fait, la Mishnah me dit comme ça. Elle me dit, tu sais quoi? C'est vrai que si la poutre, elle est ronde, tu peux pas poser tes briques. Mais imagine que tu pouvais couper un petit peu, la, comment dire, la tailler, avec cette même poutre telle qu'elle a, telle qu'elle est arrondie. Ou bien, tu peux lui couper maintenant la partie arquée, tu vas te retrouver avec une poutre plâtre. Ou bien si elle est ronde, tu vas pouvoir lui la tailler. La poncer pour qu'elle soit maintenant lisse et supporter une brique. Eh bien, sache que ça marche aussi, même si concrètement, ça ne peut pas supporter la brique. Sur ça, il y a une petite discussion dans le Rishonim qui a apporté dans le Tosot Yom Tov, une marloquette entre Rabbi Yonatan HaKohen, Milunil, et le Rambam El Rosh. Selon Rabbi Yonatan,
Ça va que d'après Rabbi Yehuda, cette Mishnah, parce que le frère Khamim, il faut que concrètement elle puisse supporter la brique. Tandis que le Rambam et le Roche nous disent non, ça, ça va même d'après Khamim. Parce que Khamim, à partir du moment où c'est assez costaud, et il y a de quoi, en réalité, il y a une poutre un peu à l'état brut, mais avec, en la ponçant un petit peu et en l'arrangeant, elle va pouvoir finalement avoir la largeur requise. Donc, ça va même d'après Khamim. D'accord? Il faut juste que, par exemple, pour la poutre arquée, il faut que si tu la ponces, qu'il puisse rester en dessous de quoi avoir une poutre normale, c'est-à-dire que les deux bouts se... D'accord? Que tu puisses finalement la tailler et avoir une poutre lisse. Même mieux que ça, même si réellement elle est tellement arquée que quand tu vas la tailler, il va y avoir un petit trou, c'est pas grave, jusqu'un trou de 3 de Fahim. D'accord? On dit qu'il y a la voûte, ouais, pas trop compliqué l'histoire. C'est rapporté tout ça dans le Tosot Yom Tov et Melechat Shlomo. Chacun en parle un petit peu. D'accord? Maintenant, sur le dernier cas de la Mishnah qui me disait Agula, que si elle est ronde, Roinota Kelom et Imeru Ba'at, je la regarde comme si qu'elle était carrée, comme si qu'elle était lissée et donc qu'elle était carrée, je peux la considérer. La Mishnah me donne un conseil. Sache que maintenant, tu te souviens, je t'ai demandé que la poutre elle fasse au moins une largeur, un tefar de large. Maintenant, comment est-ce que tu mesures, comment tu prends une poutre ronde et tu mesures sa largeur? C'est compliqué parce que c'est bombé. Alors la Mishnah me donne un conseil, attention. Kol sheyeshbe kefo shloshat fachim, yeshbe rochbo tefar. Sache, yeshbo rochav tefar. Sache que je t'apprends quelque chose, que tu vas prendre une poutre ronde, tu la mesures, tu mesures son contour, sa circonférence, tu mesures, et si tu vois que ça fait 3 tefachim, sache que s'il y a 3 tefachim, eh bien, ça signifie qu'en réalité, elle fait déjà un tefar de large. D'accord? C'est un vrai problème ce calcul, parce qu'en réalité, chez nous, on fonctionne avec pi, et pi c'est 3,14, c'est pas 3. C'est-à-dire, en fait, la Michelle est venue nous dire, ça veut dire en réalité, une poutre qui fait un diamètre de 1 cm par exemple, ou de 1 mètre, ou peu importe, j'en fous, c'est pas une unité, eh bien, il y aura dans son contour en réalité 3,14. À l'époque encore, dans le Tiferet Israël, il rapporte, il calculait ça avec 22 septièmes. 22 septièmes, ça ressemble déjà, on se rapproche beaucoup plus de pi, 3,14, 15, 92, je crois que c'était le... si je me rappelle encore bien. Chazal, eux, ils se contentaient juste de nous dire avec 3, d'accord? Ils supprimaient le 14, 15, parce qu'apparemment, j'imagine que quand on vit concrètement, on n'est pas au petit centimètre près, on n'est jamais, donc il n'y a rien de très précis finalement, et les mesures de 3 suffisent plus ou moins. C'est un vrai problème de savoir. Fréquemment, quand on est confronté à ces problèmes, quand ils calculaient, ils ne calculaient pas avec des mesures exactes. Ils calculaient vraiment, ça c'est très fréquent. 3 de Fahim, pour eux, 3 de Fahim de contour, ça fait 1 de large. Bon, c'est pas... J'imagine que dans le monde concret, on n'est pas à ça près, très facilement, on va vite atteindre les 3,14, le petit septième supplémentaire. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha. Kol Tuv Selam.